Voilà. Aujourd'hui, petite review tuto, enfin voilà. Je voulais un peu comparer les trois types d'hélices. Donc, des GameFan 50-49, si je dis pas de bêtises. 51-50, donc T51-50, avec des GameFan 51-49 Azure Power. Voilà. T-Motor 51, 53, 51, 43 S, voici. Et alors ici c'est des avant IMAX avant R, voilà. Il est super agressif. Je voulais faire un petit bench pour voir un peu la différence entre ces quatre types d'hélices. Alors le bench, c'est simple, nous partons sur des IMAX Eco 2207 2400 kV avec une LiPo en 1500 mAh et je ne monterai pas à plus de 50% de la puissance. Oui, et pour la sécurité aujourd'hui, tirer un peu plus, mais je pense que 50% ça va être déjà très bien de voir la différence entre chacune des hélices. Voilà, on se retrouve tout de suite sur le bench pour les premiers tests. On se retrouve tout de suite donc sur le bench. Voici le bench à quoi il ressemble. Hop, avec le truc. Et nous avons ici. Donc nous partons direct sur la première, la GameFan 50 T50. Voilà, donc GameFan 51-50. Et nous allons tout de suite faire le premier test à 50%. Alors, hop, le test, nous nous mettons à 0. Et voilà. Et nous partons à du 50%. Voilà, donc à 50%, nous sommes montés à 330 grammes. Nous passons sur les GameFan en 51-49. Et c'est parti, 50. Voilà, donc nous sommes à 350 grammes de poussée. Voilà, donc on est reparti sur les T-Motor 51-43S. Et c'est parti à 50% de la poussée. Voilà, 350 grammes. Voilà la fin de ce test. Nous finissons avec les IMAX avant R et c'est parti pour 50% de poussée. Et voilà, donc que dire plus ou moins sur ce petit test? Eh bien, donc les GameFan T51 et 51-49 ainsi que les T-Motor 51-43S. C'est qu'ils volent presque, donc c'est-à-dire que nous sommes à 330. Nous avons été à 350 grammes pour quand même les 51-49. Et les 51-43S de chez T-Motor, nous avons été à 350 grammes. Et par contre, les Amax avant-terre ont largement dépassé tous. Nous sommes à 380 grammes, seulement à 50% de la puissance moteur. Voilà, donc pour cette petite review. J'espère que si cette. Ce style de review vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et laisser surtout un commentaire si vous avez apprécié. On se retrouve à bientôt et bon vol à tous.